Lorsqu'on se pose la question de ce que c'est que faire société et ce qu'est une société bonne, les économistes sont sans doute plus les mieux à même de réfléchir à cette question. Il faut nous équiper de pensées plus philosophiques et donc nous accompagner, enfin nous faire accompagner d'un certain nombre d'autres disciplines, ce que quand même un certain nombre de mes confrères rechignent à faire quand même. On est dans un changement important. Et le changement important, ça veut dire qu'on ne sait pas ce vers où on va. Et donc, cette peur de l'inconnu est tout à fait normale, mais elle nous limite quelquefois. On se pose toujours la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte, etc. Dans les pays du Sud, on voit beaucoup plus d'inventivité. Ces questions sont posées, bien sûr, mais on y va. On y va parce qu'on ne peut pas faire autrement, presque. Et c'est presque ça. Ce qu'il faudrait qu'on se dise ici, c'est qu'il faut y aller, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ici, la question, au moins à cause de toute la problématique écologique, et avoir toutes ces questions de comment on fait, est-ce que ça peut marcher, quels sont les garde-fous qu'il faut qu'on prenne, les avoir en tête et les dérouler au fur et à mesure de l'action, pour avancer. Ce débat-là doit être, à mon avis, mis en perspective avec la question de la productivité du travail. Comment celle-ci est-elle amenée appelé à évoluer dans les années qui viennent. Ça, c'est une grande question. Et de mon point de vue, cette question-là doit être mise en relation avec celle de l'utilisation de l'énergie dans notre économie. C'est-à-dire que je suis assez convaincu que l'augmentation de la productivité du travail, telle qu'on l'observe depuis des décennies dans un pays comme la France, mais plus généralement en Europe, n'est pas due fondamentalement au fait que les générations qui se suivent sont nettement plus géniales que celles qui les ont précédées, mais au fait que nous consommons énormément d'énergie. Et c'est l'alliance travail-énergie-capital qui permet au travail, apparemment, d'être nettement plus productif. Une fois qu'on a compris que nous n'arriverons plus à augmenter de manière significative notre consommation d'énergie fossile, bon, tant que nous n'aurons pas réalisé la transition énergétique qui consiste à faire évoluer notre système productif d'une économie essentiellement construite sur la consommation d'énergie fossile, gaz, charbon, pétrole, vers une économie beaucoup plus construite sur des énergies non fossiles, alors nous n'arriverons plus du tout à augmenter la productivité du travail. Si nous n'arrivons pas à augmenter la productivité du travail, il va falloir remettre au travail beaucoup de gens pour obtenir le même résultat que celui que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc là, il y a, disons, une négociation intelligente à avoir avec la contrainte énergétique d'un côté, l'impératif catégorique pour nous, de mon point de vue, qui est d'amorcer la transition énergétique vers une économie essentiellement construite sur des énergies non fossiles, et la nécessité sociale, humaine, politique, de réduire le temps de travail, parce que la destinée humaine, ce n'est pas de travailler 70 heures par semaine. Si aujourd'hui, on réduit notre facture énergétique, et on investit en Europe, en France, dans la transition énergétique, l'Europe s'en trouve gagnante. Pourquoi ? Parce que au lieu d'aller dépenser 600 milliards par an d'euros qui sont finalement donnés aux pays producteurs de pétrole et de gaz, bon, bah, on investit dans des secteurs en Europe. Donc on crée des emplois, on réduit notre facture énergétique, tout ça permet vraiment de relancer la machine. Clairement, si on écoute le GIEC, agir contre le changement climatique n'est pas un luxe, c'est une nécessité, et ça coûte même moins cher que de ne pas agir. Parce que les coûts liés au changement climatique, si on ne fait rien, les coûts futurs, les coûts présents, seront bien plus importants que les coûts de l'action, ce qu'on appelle les coûts de l'action. Il y a des opportunités aussi dans le fait d'agir face au changement climatique. On sait que dans certains secteurs, comme les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments par exemple, on peut développer massivement les emplois. Et à chaque fois que l'État a investi un euro dans ce secteur-là, il développe beaucoup plus d'emplois que dans d'autres secteurs qui sont moins créateurs d'emplois. Face à la crise ukrainienne, les chefs d'État européens ont réalisé à quel point la question de l'indépendance énergétique de l'Union européenne était essentielle et à quel point ils devaient réduire les consommations d'énergie de l'Europe pour assurer cette indépendance. Et aussi développer des sources d'énergie locales, donc renouvelables,
en Europe. Et clairement, la question de la crise ukrainienne a replacé la maîtrise de l'énergie au cœur du débat politique européen. Le rythme d'investissement dans les énergies renouvelables en Chine, alors peut-être moins en Inde, mais c'est quand même, il y a vraiment un fossé entre l'Inde et la Chine encore aujourd'hui en matière de développement. Mais en tout cas en Chine, le rythme d'investissement dans les renouvelables, il dépasse n'importe quel pays dans le monde, quoi. On investit autant en Chine que dans le reste du monde. Et en fait, l'Europe, avec ses 500 millions de consommateurs, est en train de perdre de la vitesse. Pourtant, c'est elle qui a investi dans ces technologies à la base, c'est elle qui les a développées, c'est elle qui a construit un marché. Et alors qu'elle pourrait en récolter les fruits aujourd'hui, elle est en train de perdre de la vitesse. On peut considérer ça comme dommage. Et surtout, ça nous montre aussi que c'est possible, à une échelle très importante, de développer massivement les énergies renouvelables comme le fait la Chine. Notre mode de production et de consommation aujourd'hui met véritablement en péril les générations futures. Pas dans très longtemps. Hein. Déjà la génération des enfants qui naissent aujourd'hui est amenée à apprendre à vivre sur une planète devenue très inhospitalière dans la deuxième moitié de ce siècle. Voilà. Et donc ça, c'est un enjeu majeur, phénoménal, qui, de manière absolument paradoxale, a été renvoyé, disons, dans l'arrière-scène du débat public à cause de la crise financière, alors qu'elle est infiniment plus importante que les problèmes de nos banquiers. Hein, les problèmes des banquiers sont les problèmes de convention d'écriture. La monnaie, c'est une convention, c'est un signe que nous utilisons pour répartir la richesse entre nous. La crise climatique, c'est la nature qui, en face de nous, a des lois physiques avec lesquelles nous ne pouvons pas jouer. Nous pouvons jouer avec nos conventions, nous ne pouvons pas jouer avec les lois de la physique. Donc arrêtons de confondre les lois que les banquiers veulent nous imposer avec les lois de la physique. Celles-ci sont non négociables, alors que les conventions que nous utilisons pour gérer nos problèmes de monnaie sont complètement négociables, à condition d'en avoir la volonté politique. Pour faire ça, on a besoin d'investissements massifs, que ces investissements, on ne pourra les faire qu'à l'échelle européenne et qu'avec l'aide de l'Europe. Et donc, pour faire cela, il y a tout un tas de conditions qui doivent être développées. Une refonte radicale des traités européens et une réorientation, alors le terme de réorientation maintenant ne veut plus rien dire, mais une nouvelle Europe, une Europe qui au lieu, si vous voulez, moi, dans mon idéal, au lieu de l'Europe dont on nous parlait dans les années 2000, vous savez, la stratégie de Lisbonne, où on disait que l'Europe, ça devait être la zone la plus compétitive au monde, moi, je crois qu'il faudrait qu'on réussisse, qu'on se donne pour ambition de faire de l'Europe la zone la plus avancée en matière de reconversion écologique et sociale. Et pour ça, donc, faut des moyens. Je pense qu'il faut évidemment donner un coup d'arrêt presque immédiat à la financiarisation, changer les traités européens, ou au moins les dispositions qui nous étouffent d'une certaine manière. Je pense que le résultat du scrutin du 25 mai aura un impact direct sur ce que l'Europe portera au niveau international, et donc sur le succès ou l'échec de la conférence de Paris. L'Europe, c'est une voie incontournable de la négociation internationale. Quand elle est ambitieuse, qu'elle est volontariste, elle peut entraîner d'autres pays avec elle. Si l'Europe n'est pas ambitieuse, pas volontariste, et qu'elle ne dit rien, c'est très simple, il ne se passera rien. Personne d'autre le fera. Et les parlementaires européens qui seront issus de cette élection, ils pourront tout à fait pousser l'Europe à être ambitieuse et volontariste dans cette négociation. Le Parlement est l'institution la plus verte au niveau des institutions européennes, donc c'est important de se déplacer pour aller voter si on veut que l'Europe porte des politiques environnementales ambitieuses. D'où l'urgence, l'impératif catégorique d'un plan énergie-climat, sur toute la planète évidemment, mais en premier lieu en Europe et en premier lieu en France. Je ne peux pas poser un diagnostic ni psychologique ni autre sur le comportement des élites. Si on laisse faire les industries d'énergie fossile, si on augmente le CO2, si on augmente le méthane dans l'atmosphère, est-ce qu'ils se fichent de leurs propres enfants et petits-enfants ? Je ne sais pas.